La force d'une église, c'est l'enseignement, c'est la parole. Parce que quand le Seigneur bâtit son église sur les rocs, et vous savez que c'était à la réponse de la pierre que Pierre avait donnée, et ça c'était la révélation. C'est alors le Seigneur dira: sur cette pierre je bâtirai mon église. Toute église qui n'a pas les fondements comme la parole, c'est une église fragile. Tout croyant qui n'a pas de mère comme la parole, il est trop faible devant l'ennemi. Voilà pourquoi j'étais en train de vous faire voir que nous devons comprendre que celui qui est opprimé, qui est l'opprimé, que celui qui est faible, vous devez comprendre ces jours-là. Lorsqu'il y avait des menaces dans les pays d'Assyrius, Aman qui cherchait à tuer tous les Juifs, il est arrivé que Esther est allée prier. Et là vous allez comprendre que quand Esther est allée prier, Esther avait compris qu'elle était faible. Esther a sosola qui était azala qui m'a cassé devant Aman, Libosona Aman, qui menaçait de tuer tous les Juifs. Après avoir prié 3 jours et 3 nuits, il va apparaître devant son mari qui était le roi. Akoya komi talisa Libosona mobali ne azala ki mokonzi. Ici, je prends le roi son mari comme étant le rocher. Cela veut dire Esther a trouvé que le lieu du refuge c'est maintenant le rocher qui est mon mari. Parce que vous savez, la Bible parle que la femme c'est un sexe faible. Je vais vous dire, mes frères, tels que nous sommes là, nous sommes faibles. Mais celui à qui que nous croyons, c'est celui qui est notre force. Si vous croyez et vous comprendrez, la parole c'est votre force. Vous allez faire de la parole votre demeure. Beaucoup de gens, la parole de Dieu, c'est une information pour eux. La Bible dit ceci, la Bible dit cela. Non, nous ne sommes pas de ceux-là qui prennent la parole comme une information. Mais Jésus a dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, un véritable enfant de Dieu doit faire de la parole sa demeure. Souvent nous manifestons notre chrétienté quand nous sommes à l'église. Nous habillons très bien, nous faisons tout correctement. Mais lorsque la retraite et le culte prennent fin, nous revenons comme des hommes ordinaires. Non, mes frères bien-aimés, nous sommes des damas de peuple très faibles. Vous allez comprendre ça tout à l'heure par quelques citations que je vais vous donner. Voilà pourquoi Paul a vu un groupe de gens. Il y avait l'apparence de la piété, mais qu'il réunit ce qui en fait la force. Il y aura des gens qui vont se montrer saints dans leur extérieur, mais cette façon là de se mettre bon, d'être sérieux, c'est comme un papa du quartier que vous connaissez. Les gens vont souvent là-bas auprès de lui pour avoir du conseil. Il n'a de problème avec personne. Il a bien fait ses études à l'université. Il ne prend pas un verre de trop. Il ne peut prendre fils qu'il sait de bouteille, ça va. Il a de bonnes manières. Et le dimanche, il doit répondre à la messe. Mais quand vous lui présentez l'évangile, il est contre la parole. Peu importe cette parence là, mes frères, mais lorsque vous reniez ce qui a fait la force, vous n'êtes pas fort. Je suis venu vous présenter aujourd'hui que la force d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous devez faire de la
la parole de Dieu votre demeure. C'est pourquoi l'église ne peut pas blaguer avec l'enseignement. L'église ne peut pas manquer avec la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu lui-même. Lorsque on rejette la parole, mes frères, nous devenons très faibles devant tous les démons ici, mes frères. On peut nous bouffer par n'importe quel démon, mes frères. Je vais t'informer ce soir. Tous les démons que vous voyez, à commencer par leur chef Satan, ils n'auront jamais peur de toi. Malgré ce que toi tu es, malgré ton ancienneté dans la foi, vous devez comprendre. L'ennemi aura peur de la parole. Nous sommes faibles, mes frères. Mais celui à qui que nous croyons, c'est celui qui est notre force. Est-ce que l'église comprend cela? Donc je suis en train de vous faire voir que tu partes aux États-Unis, que tu partes en France, aussi longtemps nous avons la chair ici, nous sommes l'opprimé. Nous sommes des faibles. Nous traversons les temps de la détresse. Les temps de la détresse, c'est le temps que nous vivons pendant tout le temps nous sommes sur la terre. Jusqu'à ce que nous serons enlevés. Aussi longtemps nous portons la chair. Je reviens dans l'exemple que je vous parlais avec notre sœur Esther. Lorsque Esther est apparue devant le roi, il dira au roi, l'oppresseur, l'ennemi, c'est ce méchant homme Aman. Vous allez comprendre que Aman, lui, ne craignait pas réellement Esther. Ne craignait pas le peuple juif. Mais Aman avait peur de celui qui était roi. Je suis en train de vous dire, celui qui a introduit Joseph dans la prison, c'est un général égyptien. Mais celui qui va ordonner sa délivrance, il était plus que le général. Et je vous dis, mes frères, vous devez comprendre, celui qui te bénit, il est plus que celui qui t'a maudit. Celui qui t'aime, il est plus que celui qui t'a haï. Notre Dieu est au-dessus de tout. Si nous allons comprendre, nous sommes opprimés. Qui est en train de nous opprimer? Notre chair est le premier ennemi. Je vais vous dire, mes frères, l'homme en tant qu'esprit, un enfant de Dieu en tant qu'esprit, il n'a pas besoin du mariage, il n'a pas besoin de marcher, il n'a pas besoin de maternité. Quand nous avions porté ces chairs, c'est là où les problèmes ont commencé, mes frères. Je vais vous dire, mes frères, la chair que vous avez, la chair des Américains, la chair des Japonais, que ce soit des Européens, toujours la faiblesse. Vous ne pouvez pas fuir cette faiblesse en errant à l'étranger. Elle est dans ma peuple sans force. Place l'air des mers dans les rochers. Ou les véritables rochers. C'est l'Éternel. Voilà, mes frères bien-aimés. Je vous épargne parce qu'on n'a pas le temps de lire beaucoup de versets. Mais j'étais en train de vous faire voir. Plusieurs fois, David y déclarait. Il disait, Seigneur, délivre-moi de ceux qui sont plus forts que moi. David, même son enfant Absalom, c'était un enfant que lui a mis au monde. Mais David, en tant qu'homme, avait peur de cet enfant-là. Qu'est-ce qui a fait que David puisse fuir dans la caverne? Il fuyait les attaques. Tantôt de son enfant, tantôt de Saoul, c'était des hommes comme lui. Mais David comprenait, si je ne prends pas l'Éternel comme l'appui,
Je ne peux pas vaincre mes frères. Il dit, ô Éternel, délivre-moi de ceux qui sont plus forts que moi. Que tu sois mon appui. Que tu sois ma retraite. Que tu me protèges. La Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'oppresseur pour nous, c'est la chair. Le deuxième oppresseur, seulement que vous voyez, il n'est pas facile d'obéir à la parole dans ce monde ici. Parce que la Bible dit, ceux qui veulent vivre précisément en Jésus-Christ seront persécutés. Le monde, sa façon il évolue, il fait l'oppression aux enfants de Dieu. Et le troisième oppresseur, c'est le diable. Voilà pourquoi nous disons, si l'Éternel, il est le refuge au temps de la détresse, c'est tout le temps que nous portons la chair. C'est tout le temps nous sommes sur la terre ici. Et pendant tout ce temps ici, mes frères, nous traversons le temps de la détresse. Parce que mes frères bien-aimés, l'oppresseur est en train de tourmenter notre vie. Si nous sommes en train d'apporter ces informations, c'est pour montrer aux enfants de Dieu. Et tu dois comprendre que tu es faible. Dans ce chemin ici, il n'y a pas un héros. Que tu sois prédicateur, que tu sois fidèle. Si l'Éternel ne sera pas ton refuge, tu seras à la merci de l'ennemi. Et lorsque je suis en train de parler du rocher comme le refuge, le rocher c'est la parole de Dieu. Le rocher c'est l'enseignement. Donc j'étais en train de vous faire voir. Lorsque vous prenez 1 Jean chapitre 3 verset 2, cela nous montre comment nous sommes faibles. 1 Jean chapitre 3 verset 2, le frère Jean dit quelque chose. Il dit, bien aimé, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'est pas encore manifeste. Mais lorsque cela sera manifeste, nous serons semblables à lui et nous les verrons tels qu'il est. Tu es enfant de Dieu, mais tu es enfant de Dieu faible, parce que tu es encore dans la chair. Tu n'as pas encore quitté la terre. Et le frère Paul a amplifié cela. Quand vous prenez les 2 Corinthiens chapitre 5, je suis en train de vous montrer le temps de la détresse. Je suis en train de vous montrer qui est l'opprimé. Et Paul était en train de faire voir. Nous savons en effet, si cette tente où nous habitons, si la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, qui est l'éternel, qui n'a pas été fait de main d'homme. Ainsi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes retrouvés vêtus et non pas nus. Attends, bon, ce qui que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés, pour cela c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et
nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Que Dieu nous bénisse. Zambe apambola bino. Que Dieu nous bénisse. Zambe apambola bino. Nous prions ici, mes frères. Toza ko bonde la bande ko nous disons là où Dieu sort régner à nos dieux, au milieu de nous. Toza ko lobaite imbale to misato basangana comme la zakati. Que Dieu bénisse le docteur José. Zambe apambola molakisi José. Il disait quelque chose, je suis allé méditer, j'ai compris ça. Na zalai ko lobelo ko moko na kia ko manyula ngo pe na soso ya. Il a dit qu'un enfant de Dieu, quand il écoute la parole, alobete mwana na nzambe tango za ko yoka liloba, il doit écouter la parole avec l'esprit de Maranatha. Esengela yoka liloba na molimo ya Maranatha. Mais bien-aimé mes frères, bande ko nanga balinga, nous ne recevons pas la parole pour être erré dans ce corps. Mais nous recevons la parole pour qu'un jour, mes frères, nous puissions quitter ce corps et revêtir la gloire céleste. C'est ça la mission de l'église. Si l'église ne prêche pas ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des tiraillements. Les gens cherchent à gagner quelque chose. Les gens cherchent à gagner quelque chose. Tout ce que vous cherchez à gagner, resterons sur la terre. La Bible dit, mes frères, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Amen. Si nous sommes pleins de confiance, et nous aimons bien quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur, c'est pour cela aussi nous efforçons de lui être agréable. Soit nous demeurions dans ce corps, soit nous le quittons. Car il faut nous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive du bien ou du mal. Donc vous devez comprendre, mes frères, même si tu es un serviteur puissant, mais vous devez comprendre aussi longtemps nous sommes dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. On vient de vous prêcher ici que la chair et le sang ne mériteront pas le royaume des cieux. Les temps de détresse, les temps, mes frères, de détresse, c'est tout ce temps que nous sommes dans la chair. Vous ne pouvez pas vaincre si tu ne fais pas de ta demeure la parole de Dieu. Il faut que la parole devienne ta demeure. Nous avons des surprises dans ce monde. Des couples sans enfants. Babalani, bana bazate. Des couples sans emploi. Babalani, mosala pezate. Des familles sans abri. Bongo, le mabota bisika kovande zate. L'esprit n'a pas besoin de ça. Molimu, azane na bosenga ya wana. Étant dans la chair. Kasi kozaka na nzoto. Nous devons avoir la maternité. Esengeli tobota. Étant dans la chair. Kozaka na nzoto. Je dois voir le mariage. Esengeli na bala. Étant dans la chair. Kozaka na nzoto. Je dois trouver de l'emploi. Esengeli na zo mosala. Pour que j'aille à manger. Po ete na zo kiloko ya kolia. Voilà tous ces tableaux là. Tala makambo nyoso wana. Démontre mon frère. Ezako talisa bandeko. Le temps que nous passons. C'est le temps de détresse. Personne n'échappe à cela. Même moi qui vous prêche, je le traverse. Peut-être plus que toi. Voilà pourquoi je ne peux pas négliger la parole. Parce que cette parole peut me protéger dans cela. Je peux vous donner un exemple. Je l'avais dit dans la nuit de la prière, mais je le répète. Vous imaginez, mes frères, un frère qui attend de la maternité à sa femme des années, l'enfant ne vient pas. La famille peut dire que cette femme parte et que tu changes une autre. Mais quand le frère a la demeure comme la parole, il peut supporter la chose. Parce que cette femme là, elle est aussi sa sœur dans le Seigneur. La Bible dit, les écailles ne se séparent pas. Est-ce que vous comprenez cela? Vous devez comprendre, mes frères, ce qui peut protéger ta vie, c'est la parole, c'est l'enseignement. Nous ne vivons pas comme le monde, parce que nous comprenons que nous traversons un mauvais moment. Et je suis obligé de vous amener encore
pour que je puisse atterrir un peu. Pour que je n'ai pas tout dit, mes frères. Mais quelques mots que nous sommes en train de placer. Que le Saint-Esprit vienne. Et le garde dans votre cœur. Afin que ces paroles vous fortifient. Qu'un jour, tu n'abandonnes pas le Seigneur. Nous faisons de la parole notre demeure. Parce que le dans ma peuple est sans force. Dans ma peuple, qui doit trouver que je ne peux pas quitter la parole. Je dois demeurer là-bas. J'étais en train de vous faire voir que les apôtres ont montré que le temps que l'église traverse, c'est le temps de détresse. Et lorsque l'église dit nous sommes dans la prière, non, c'est tout le monde qui sera ici. Parce que c'est auprès du rocher que nous sommes venus. Pour que Dieu combatte pour nous. Pour que Dieu nous protège. L'Éternel n'abandonne pas ceux qui viennent à lui. Avant que je vous lise ce passage-là encore, Jésus a fait son travail. Dans Jean chapitre 17. Mais quand il termine, il commence maintenant à prier. Amen. Vous allez m'excuser, j'aime ces paroles lire ça. Aujourd'hui, je n'avais pas voulu m'écarter de la chair pour ne pas faire le discours qui n'a pas de sens. Mais j'avais voulu que les Écritures parlent. J'ai considéré la chair comme un autel parce qu'il y a un animal ici qu'on doit sacrifier. Et cet animal que nous sacrifions, ce sont les Écritures que nous interprétons. Je suis dans Jean chapitre 17. Je crois, je peux commencer à partir du verset 8. Quand je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Ils l'ont vraiment connu. Que je suis sorti de toi. Ils ont crié que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux-là que tu m'as donné. Parce qu'ils sont en toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Mais ils sont dans le monde. Je vais à toi. Père Saint. Tata Monsanto. Garde-les à ton nom. Batela bango na kombo na yo. Que tu m'as donné. Oyo pesa ki ngai. Afin qu'il soit un comme nous. Natina était basé à la moko loko la bise. Tango nazala ke longo na bango na mokili. Je l'ai gardé à ton nom. Nazala ko batela bango na kombo na yo. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Na bateli ba yo pesa kinga. Aucun d'eux ne s'est perdu. Moko na bango abungite. Si ce n'est que le fils de la perdition. Soki kaka te mwana na libebe. Afin que l'écriture s'accomplisse. Po ete likomie ko kisama. Amen. Je saute, je prends le verset 14. Na pimbo je leur ai donné ta parole. Na pesi bango liloba na yo. Et le monde les haït. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Pour être bango baza ya mokili te. Comme moi, je ne suis pas du monde. Loko langa pe naza ya mokili te. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Naza ko bonde la yo te longola bango la mokili. Mais préservez-les du malin. Kasi batela bango na mabe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen dans la parole? Motomoka ko kondimete za bango na liloba. Ils ne sont pas du monde. Bango baza ya mokili te. Comme moi. Je ne suis pas du monde. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Et moi, je vais vous dire, cette prière est valable jusqu'aujourd'hui. La prière ici est valable jusqu'aujourd'hui. Même si un pasteur refuse de prier pour toi, mais Jésus a prié pour nous. Il dit je ne suis pas dans le monde. Mais préfère venir du monde. Il dit ce n'est pas pour le monde que moi j'ai pris. J'ai pris parce qu'ils m'ont glorifié. Ils ont crié à la parole. C'est lui qui croit à la parole. A de la valeur devant Dieu. A du prix devant le Seigneur. Dieu ne néglige jamais ceux qui considèrent la parole. Malgré
malgré ton imperfection, ne trahis jamais la parole. Ne trahis jamais la vérité. Continue à confesser la vérité. Et le Dieu du ciel sera dans ton camp. Est-ce que tu crois à cela? Donc je suis en train de vous faire voir que nous traversons les temps de la détresse. C'est temps ici, mes frères. On ne peut pas négliger la parole. Voilà. Tala. Un autre passage. Avant que je puisse atterrir. Pour vous montrer quel est le moment que nous sommes. C'est un temps difficile. Et il est important de vivre avec la parole. Vous savez des fois, mes frères, vous pouvez être à la maison. Il y a des histoires qui viennent, qui compliquent. Un seul endroit qui est resté pour nous. Pour nous réconforter. C'est l'église. Et je vous dis, mes frères, nous venons à l'église pour puiser le bonheur et amener dans nos familles. En sortant de cette retraite, que ta famille soit bénie. Si tu crois à la parole, recevez la maternité. Si tu crois à la parole, recevez la victoire. Quand tu retourneras, même ton bailleur, même l'environnement, s'ils étaient méchants contre toi, ils vont te respecter. Ils vont sentir non. Il y a quelqu'un qui l'enveloppe. Il y a quelqu'un qui le protège. Ce n'est pas ta taille qui peut faire peur à l'adversaire. Mais le Dieu que tu crois, c'est ton bouclier, c'est ta force. Est-ce que le Dieu du ciel, je le déclare au nom de Jésus, pendant que tu dors, que Dieu est face à ton image. Mais quand le sorcier viendra, il nous voit Jésus au lit au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire? Il dira non. On a vu quelqu'un, ce n'était pas lui. Parce que les démons n'ont pas peur des noms. Ils ont peur de Jésus. Que Jésus puisse te protéger. Que Jésus soit la protection de ta famille. Si tu crois à cela, acclame encore pour la gloire de Jésus. Oh mes frères. Oh, je suis dans Romains chapitre 8. Et je descends. Que dit la parole? À partir du verset 17. Ainsi, nous sommes enfants. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Suivez mes frères. J'estime que les souffrances du temps à présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, la cause de celui qui l'a soumis. Avec espérance, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, souffre les douleurs de l'enfantement. Que Dieu nous bénisse. Je vais vous dire, mes frères, les souffrances du temps actuel ne sera jamais comparable à la gloire à venir. Nous disons, mes frères, nous traversons les temps de la détresse.
Si vous abandonnez la parole, c'est votre part. La vierge sage n'est pas derrière son pasteur. Mais la vierge sage qui attend l'enlèvement est derrière la parole. Est derrière l'enseignement. Si son pasteur abandonne la parole, lui n'abandonne pas la parole. Voilà mes frères bien-aimés. Soyons fanatiques de l'évangile. Comme José ne vient pas, moi aussi je ne viens pas. Non. Il n'est pas ton rocher. Ton rocher, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui va te protéger. Confiez-vous à l'Éternel. Vous allez réussir. Confiez-vous à l'Éternel. Dieu ne va pas vous décevoir. Vous êtes faible. Mais vous allez vaincre. Parce que le rocher vous protège. Les souffrances étaient actuelles. Ne sera jamais comparable à la gloire à venir. Parce que la création attend la manifestation des fils de Dieu. Cette manifestation, c'est l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, nous ne serons plus des faibles. On n'aura plus cette chair ici. On va porter un autre corps. Je suis en train de te signifier et de te déclarer. Tu n'auras pas la paix quand tu abandonnes la parole. Sois à côté de la parole. Et Dieu te fera grâce. C'est ainsi que mes frères bien-aimés. Nous disons pendant les temps difficiles. Jochebed, maman de Moïse. C'est là que je suis en train d'atterrir. Il a pris Moïse. Il a mis dans la caisse de jonque. Pour le protéger. Contre les décrets de la mort. La caisse de jonque était le rocher. Pour que Moïse ne meure pas. Pendant qu'il y avait le décret de la mort. On tuait tous les enfants. Mais Moïse n'est pas mort. Je te dis chez toi. Il y aura une exception. Le décret de la mort va sauter ta vie. Parce que toi, tu es de la caisse des gens. Qui est le rocher? Qui est la parole? Dieu n'expose pas son peuple. Il le protège toujours. Où? Dans la parole. En dehors de la parole. Il n'y a pas de refuge. Voilà mes frères bien-aimés. L'Apocalypse dira. Oh, malheur à la terre. Oh, ma wana ma belle. Et la mer. Quand le diable est descendu vers vous. Pour Satan a quitté par la Bible. Animé d'une grande colère. Attendu sa mine à Kandama. Sachant qu'il a peu de temps. Ayez bien tazan à tango mon cœur. Oh, avant que lui piétine. Liboso est tanya tabiso. Esaïe 26, verset 20 dira. Moïse, tout qu'une balle à moto, banzer, tout qu'une balle à coloba. Libotananga. Entre dans la chambre. Kotana souku. Cache-toi. Bombana. Pendant quelques instants. Namo tango mon cœur. Jusqu'à ce que le temps de la colère. Pour être qui nous tango tango ya passi et le. Quand le diable descendra. Tango Satan a copié. Il ne verra pas l'épouse sur la terre. Ako mona tutu mwa na bali. Dieu cache son peuple. Nzambe ako bomba libotana. Il l'amènera au ciel. Ako memai na likolo. Dans une chambre. Na kati na souku. Je dis à toi. Yes, les problèmes qui viennent que tu n'as jamais vécu, que Dieu ouvre une chambre pour toi. Quand cela viendra, ne te trouvera jamais. Est-ce que tu crois à cela? Ils viendront dans ta maison. Même la nuit, ils vont commencer à chercher. C'est ici l'adresse. Dieu lui-même ouvrira une chambre pour cacher ta vie, pour cacher ta famille. Et l'ennemi ne te verra jamais. Parce que le Dieu du ciel n'expose pas son peuple. Il protège son peuple. Voilà autant de déliges. Les rochers c'était l'arche. Les gens de déliges. Ça menaçait des maisons. Ça menaçait tout. Mais ceux qui étaient dans l'arche étaient protégés. Je vous dis mes frères, si tout le monde va mourir, recevez cette promesse, recevez cet oracle. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Tu es prêt à le recevoir? David dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si tu crois cela, acclame très fort pour la gloire de Jésus. Oh mes frères, oh, le Dieu que nous invoquons ici, qui ne soit pas loin de nous, nous ne savons pas qui nous poursuivent.
Il y a les autres qui nous poursuivent. Nous ne les connaissons pas. Mais celui qui nous protège les connaît. Tel que toi tu y es là, tu ne connais pas qui est ami et qui est ennemi. Tu le dis bien à tout le monde. Mais celui qui va élever les glaives contre toi, celui qui va élever une arme contre toi, que Jésus te protège et qu'il soit ton bouclier. Je vais atterrir, mes frères. Un miracle. Pendant que Atali ravageait tous les enfants. Mais un petit enfant. On est de Joas. 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 Un bébé. Moi, bébé. Qui était de la race royale. Atali ne voulait pas. Atali a linga quitté. Il y a la race royale. Et t'es à la libota. Pendant son règne. Nabokonzinaye. Il nourrisse. Kasi maman moko a appris l'enfant. Azimwana. Il était caché. Que Dieu bénisse l'orateur qui a prêché. Notre docteur. Michael. Et je crois à cette parole. Si on a tué les autres. Mais Paul a dit. Nous ne mourrons pas tous. Et toi. Je déclare. Tu es parmi les restes de Dieu. Au nom de Jésus. Que Dieu te cache. Cet enfant. Ne sait pas combattre. Cet enfant. N'a pas l'arme. On est parti le cacher dans les temples. Je veux dire, ceux qui n'ont famille n'abino. Si dans votre famille, yaya, on a mangé yaya, on a mangé les yaya banoko, on a mangé les yo, mais toi, on a kimi na église, comme tu t'es dit, on a yo, c'est lui qui a tout en colo, qui raconte les séries. Est-ce que quelqu'un croit cela? Motomoko a conduit la église. Balia capé, on a conduit l'église. On ne mange pas celui qui est dans l'église. Mais celui qui est entré dans l'église, il est protégé. Il a battu l'ami. Si quand Zambé a l'eau là, laisse que les dieux disent, il protège ta vie. Et je déclare. Au nom de Jésus, possédez 2024. Possédez 2024. Et je crois, cette année nouvelle, les portes vont s'ouvrir pour toi. Si tu crois cela, acclamez très très fort pour la gloire du Seigneur. Nous avons un Dieu qui protège son peuple. Qui n'exploite pas son peuple. J'ai besoin de chanter. Nous avons un Dieu. Qui n'est pas son peuple comme ça. Un bébé. Bongo bébé. Qui ne savait même pas. Je crois même cet enfant. Il ne savait pas, il est poursuivi. C'est que toi tu ignores. Dieu le connaît. C'est que toi tu ne connais pas. Dieu le connaît. On n'a pas besoin qu'on me dise. Qui est le sorcier? Qui me combatte? Moi, mon problème, je me cache dans les rochers. Que le Dieu du ciel me protège devant ces gens-là. Si tu crois cela, recevez la victoire. Dieu n'expose pas son peuple. Celui qui est à la parole, on ne le touche pas. Parce que la parole est plus forte que nous-mêmes. Nous avons déclaré dans mon corps, je déclare à toutes les gens qui tombera plus encore malade. Pourquoi? Celui qui t'a séduit est plus fort que toi-même. Nous sommes au Simba Zambete. Nous ne sommes pas allés toucher les dieux. C'est lui qui est allé nous toucher. Quand tu traverses l'enfant, l'enfant ne va pas te toucher. C'est toi qui va toucher. Si le vécu arrive, tu vas aller. Zambé, alors là, appelle d'ailleurs. Qui puisse te tirer. Je termine par dire. Mais pas seulement Joas. Mais Moïse, un petit enfant, le pharaon cherchait pour tuer. Mais c'est Moïse là, a grandi auprès des génocidaires. Moïse là, a grandi devant Pharaon. Mais Pharaon ne savait pas que celui que je cherche, au nom de Jésus, que ses ennemis. Tu seras auprès de lui, mais tu ne le verras jamais. Soyez bénis au nom de Jésus. Loin que le Dieu du ciel. Même si vous tombez, tu n'as pas prié. Le rocher a prié pour toi. Je vais venir du malheur. Je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse. Acclamez très fort pour la gloire de Jésus. Total malicolo. Tu vas peser ses paroles. Jésus.
Alléluia. Ôtez-les, cet homme de Jésus. Alléluia. Ôtez-les, cet homme de Jésus. Alléluia. Ôtez-les, cet homme de Galilée. Alléluia. Ôtez-les, cet homme de Jésus. Alléluia. Jésus, il s'est dit plein de vie. Alléluia. Ôtez-les, cet homme de Jésus.
Tu vas glorifier Jésus. Parce que toi tu as trouvé les rochers. Dis Seigneur, je ne suis pas seul. Je crois. C'est toi qui me protèges. Je crois. C'est toi qui m'accompagne. La solution de mon problème ne viendra pas des hommes. Et David dit, David a dit, oh éternel, oh Yahweh, je regarde aussi les montagnes. D'où me viendra le secours? Je vais vous dire, nous n'attendons pas qu'on proclame le président pour que le bonheur vienne. Nous n'attendons pas le gouvernement. Mais la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cri. Et comme tu crois, tu as droit au miracle. Élevez le Seigneur. Prions tous au nom du Seigneur. Et après, je vais prier pour vous. Prions tous au nom du Seigneur. Oh Jésus. Oui, Jésus. Oh, Jésus. Nous avons eu celui qui est guéri. Dieu des grâces. Jésus, tu es incomparable. Il n'y a pas de rocher comme toi. Oh! Oui, Jésus. Toi qui es grand et redoutable. Dieu, celui qui est notre retraite, il n'abandonne jamais ses enfants. Il est là. Il nous garde, il nous protège. Azawana. Jésus. Jésus. Nali. C'est la boko, awana se mon côté, kokani na yo, nga papa, na anguya, na kembo, oza zambe, oza ensemble. Alléluia. Papa,
est au milieu de nous. Yahweh, Azana Kati Nabiso. Et l'Éternel nous aime. Pekolo Alinga Gabiso. Il y connaît les tourments de notre âme. Ayebi Motungisi, Amoli Monabiso. Il est capable de fuir les larmes de nos yeux. Ayazana Makokia Kopangusa, Midi Monabiso. Soyez bénis au nom de Jésus. Pambola Mana Kombona Yesu. Que le Seigneur soit pour vous les Goshen. Zambia Zalapona Bino Goshen. Où il y a les reines de la lumière. Wapi Pole Ezako Gonza. Que tu sois un peuple mis à part. Tu es dans le monde, mais tu ne sais pas de ce monde. Je vais prier pour toi. Spécialement pour ceux qui ont besoin de maternité. Aie la foi. Jésus te fera grâce. Jésus te fera grâce. Si c'est ta femme. Si c'est ta femme, ce qui a moi, aie la foi pour ta femme. Zalana kondima pona mwasi na yo. Qu'à travers cette prière, nanzela na losamboyo. Tu accorderas la maternité. Zambe akopesa kobota. Si c'est ton enfant, ce qui a moi na yo. Aie la foi. Zalana kondima. Et si c'est toi-même, ce qui pesa yo moko. Crois. Dima. Maintenant. Sikoyo. Dieu te visite. Zambe akosale longo. Éternel notre Dieu. Yahweh nzambe na biso. Nous rendons gloire à toi, Jésus. C'est toi le rocher de notre salut. Yonde libanga ya lobi konabiso. Oh Jésus. Oh Yesu. Toi éternel. Yo Yahweh. Le créateur du ciel et de la terre. Okeli ya likolo pe mabele. David avait dit. David alobaki. Oh éternel. Oh Yahweh. Délivre-moi. Kangolangai. Devant ceux qui sont plus forts que moi. Liboso na boba zama kasi kolekangai. Tu connais ce peuple. Oyebi liboto yo. Tu connais leurs tourments. Oyebi mitungisi na bango. Je vais prier pour l'assemblée qui est présente et ceux qui nous suivent au loin. Ils ont suivi ta parole. Non pas à moi, mais à ton nom donne gloire. Au nom de Jésus. Toi le grand médecin. Toi le médecin de Galade. Yo médecin yamboka Galade. Tu as parlé aux opprimés. Venez à moi. Pour tout ce qui était chargé et fatigué. Je vous donnerai du repos. Et je crois à l'instant. La maternité. Pour ces bien-aimés. Fera partie aussi du repos. Au nom de Jésus. Recevez la maternité. Au nom de Jésus, que ton corps, là où tu es, obéisse à la puissance de Jésus. Et que tous ceux qui étaient enfervélis, les hormones, les fonctionnements du corps, soient ressuscités au nom de Jésus. Que la chaleur revienne dans ton corps. Soyez visités au nom de Jésus. Que cette année qui commence soit l'année de maternité. Je le déclare au nom de Jésus. Que la gloire revienne à ton nom. Pensez aussi le Seigneur à tous les autres qui n'ont pas ces cas mais qui ont besoin de voir ta gloire. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tondi Nzambe,
Nabola monyoso asale libiso. Nalilo banaye tundimete oya batelaka oya bomba kaba oya ye et mingi koleka. Je crois que Mote ya rappelé biso lo sambo yembo kolo yesu asalaki na mikolone na sena moi. Tozali ya mokili et tozali ya mokilite. Tozana mokili me tozana mokilite. Lokola kolo asala lo sambo ete tozana mokili me tozana mokilite. Iye moko akubate la biso. Alors eya butu eya moi obange loko mokote nzambo abate laka azana yo ngambo na yo tolobi ete kitungu ezali na droite na biso a gauche na biso plutôt ezali droit d'onction a droite na biso ezali dim offrande n'action de grâce na yo tozolanda molongo bazali kopesa biso toye ko offrir